What's up les boys, c'est Red Jacken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 en match à mort par équipe sur la map Aquarium à la Razorback. Et oui, j'ai enfin appris mes call-outs, donc ça me fera super plaisir de vous proposer ce nouveau gameplay. En tout cas, j'espère que vous allez l'apprécier. J'ai coupé pas mal de séquences, j'ai fait quand même pas mal de montage dessus, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier tout le travail que j'ai fait suite à ce gameplay justement et suite à cette vidéo. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour laisser un pouce bleu. Je sais que beaucoup de personnes se plaignent que je demande un petit peu trop, mais c'est vrai qu'en ce moment les pouces bleus, la barre de like, elle monte pas assez. Voilà, avant je faisais plus de 100 likes, plus de 150 likes assez facilement avec des vidéos qui étaient pas trop travaillées. Là je commence à retrouver un petit peu d'activité sur ma chaîne, à travailler un peu plus mes vidéos. Et donc j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu plaisir, que vous me récompensiez pour ça. C'est ça qu'un youtubeur cherche en priorité, c'est pas l'amour de ses abonnés, c'est voilà que les gens vous apprécient et vous récompensent, parce que c'est vrai que c'est du travail pour tous ceux qui font des vidéos. Vous savez que c'est du travail de faire ces montages, ces commentaires, ces gameplays, etc. Ça se fait pas tout seul, donc un petit pouce bleu de chacun, ça me ferait énormément plaisir. Et aujourd'hui on va attaquer une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle story life. C'est vrai qu'en ce moment il n'y a plus trop de débats, il y a beaucoup de story life, mais là je pense que vous allez apprécier celle-ci, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Ce n'est pas moi, bien évidemment, je l'ai dû mettre sûrement, j'ai couché avec mon prof de sport, mais je veux bien sûr parler du désaccès de... C'est exactement, si vous vous souvenez plus récemment, la même personne qui s'amusait à baisser le pantalon des gens dans les toilettes du lycée. Eh bien, cette personne est venue me voir et m'a raconté que en seconde, il avait couché avec sa prof de sport. Donc à l'époque on n'était pas dans la même classe et je savais pas trop qui c'était. Il m'a dit que depuis elle avait quitté le lycée, donc je sais pas si c'est vrai ou faux. En tout cas il avait l'air très très bien renseigné, et je pense que vu les détails qu'il m'a donné, il y a des chances que ce soit la vérité. Donc il m'a raconté que depuis le début de seconde, depuis la première fois la rentrée, elle le regardait un petit peu avec des yeux bizarres, etc. Donc c'était un petit peu une prof cougar. Mais c'est pas bien du tout ce qu'il a fait, puisqu'il est allé la voir, qu'il lui a parlé, qu'ils se sont vraiment rapprochés. Il a fait exprès justement de faire ça, parce que à ce qui paraît, elle était pas très moche, elle était plutôt bien cambrée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il est allé la voir et ils ont fini par coucher ensemble suite à une sortie avec la classe. Elle lui a proposé de venir au restaurant, et puis à la fin du restaurant, lui, il voulait pas trop. C'est-à-dire que déjà, votre prof, elle vous invite au restaurant pour faire un tête-à-tête. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? Après, je sais pas la différence d'âge, il me dit qu'elle était pas trop vieille, qu'elle avait moins de 40 ans, qu'elle était pas mariée, etc. Donc vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous y serez allé ou pas? Vous avez votre prof de sport, ou même n'importe quel prof, qui est pas très moche, qui a moins de 40 ans, qui vous invite à aller au restaurant, et vous, vous avez 16 ans. Vous y allez ou pas? Alors, ce sera un petit peu la question que je vous poserai dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à m'y répondre. En tout cas, lui, il y est allé, même si, voilà, il était pas trop chaud au début. Et à la fin, il lui a proposé d'aller chez elle. Il y est allé et ils se sont rapprochés, vraiment très, très bien rapprochés, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont fini par coucher ensemble. Et après, il y a eu pas mal d'histoires à cause de ça. Justement, il y avait des gens qui se disaient, ouais, c'est bizarre, la prof, elle te regarde bizarrement, elle te parle bizarrement. Parce qu'après, il s'est plus rien passé entre eux. Mais c'est quand même quelque chose de chaud. En plus c'était au début d'année, donc imaginez, il a dû vivre toute l'année avec cette prof avec laquelle il avait couché. Donc c'est quand même une histoire complètement fou. Mais comme je vous le dis, comme ça doit pas vous étonner, cette personne là, je sais même pas pourquoi encore je traîne avec, c'est un désaccès dans son cerveau. Il s'amuse à baisser le pantalon des gens au lycée, il est vraiment dead dans sa tête. Enfin, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, à répondre à ma petite question que je vous ai posée, est-ce que vous vous y serez allé ou non. Et bien évidemment, ça me ferait super plaisir si vous donniez votre avis sur la vidéo et sur le gameplay. Donc moi sur ce, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, partager la vidéo, donner votre avis comme j'ai pu le dire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vais vous faire plaisir, vous allez pouvoir compter sur moi. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine.